T'as des shops OK plus, t'as vu ta bonne early, tu peux faire des quoi avec le T22. Peut être cool. Bon, pour le bon early, on repassera, j'ai l'impression. Je pense que je prends le spell et je roll et je tente de trouver mieux. Parce que là, c'est vraiment naze. Je crois que c'est peut-être les trois pires cartes. Ou pas loin. E2 m'intéresse. Nice. Bon, Nuxia, moi j'aime bien. Un petit Roi Lich Toura. Pas cool. C'est pas Madrox ça. Je suis pas censé pouvoir prendre les deux, juste faire ça. Si j'avais un token, je pourrais prendre l'autre, mais juste faire ça. Claquer ça ici. Et prochain tour, il me faudrait soit un élément plus, soit un token ou un gold, quoi. Enfin, le spell à deux ou quoi, on verra. Partir là-dessus. Je vais pas prendre l'autre, malheureusement. En Ixia, Free Early en soi, bah sauf si je t'aggro et je tourne, quoi. Je pense que c'était le seul qui pouvait me douiller là, mais. En tout cas, des seuls. Bah, tout va, c'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué de toute façon pour Nyxia. Mais là. Là, c'est déjà beaucoup mieux là. Ouais, voilà, parfait. Ça y hop. Régale-moi, régale-moi. Et voilà! Parfait ça. On peut hop au prochain tour ou trouver un bon shop et ne pas hop. Affineux sera très bien. Chevalier non merci. Gouaf très bien. Rouillant très bien. On va bien. Je vais m'adapter. Bonsoir Captain Averti. Comment ça va? Hop là, Dragonnet. J'ai le goaf, je sais pas si je le pique. Parce que en vrai, le problème du goaf, c'est qu'on joue Onyxia et avec Onyxia, c'est pas, c'est moins bien vu que je perds des ripop. C'est que ça reste quand même ok, mais. S'il y avait eu deux bonnes cartes, je pense que j'aurais pique, mais j'avoue que le reste me tente pas du tout. Je vais peut-être quand même up. J'aurais pas joué Onyxia, je pense que j'aurais pique 100% le goaf, mais. J'avoue qu'avec Onyxia, bon. Alors oui, j'ai un triple là-dessus, hein, mais. Ça tape de la Vibora un peu au liège en ce moment? Ah, je pense pas qu'on peut appeler ça de la Vibora. Ou alors on peut dire que ça essaye, mais. Encore du boulot. Ça te fait une game avec 7 Vindicatifs et Ondulance Dorée. C'est fun ce jeu en fait. Le Vindicatif, c'est quoi Vindicatif? On lui casse la gueule. Ah, le naga qui découvre en taverne 6, c'est ça? Super la taverne 3, je me régale là. Oh, il y a Oliver, ok, go up. Je me fais casser la gueule, je tagrai le mort. Si je tag le mort, je re-up. Mais je pourrais pas re-up, il faut que je vende up. On va voir, on va voir.
Il n'y a pas un gars dans la game, mais oui, le 6 qui découvre un spell, c'est ça. Je fais une sorcellerie. Top pour ça? Parce qu'il y a le mort, oui. Enfin, le champ me plaît pas, donc ça me tente de hop. Et vu qu'il y a un mort, bah, raison de plus. Genre, les feux sont ouverts. Genre, le champ est nul. Si je roll et que le champ est nul, je suis dans la merde. Si je hop, tu vois que moi, je suis dans la merde. Sauf que si je hop et que je me fais casser la gueule, il y a de fortes chances que je tag le mort. Si je tag le mort, bah, je suis bien. L'obstacle, ça me paraîtrait quand même un peu ambitieux. Donc faut quand même stabiliser contre le mort, ce qui est un peu chelou, mais bon. Faut avoir le chop. Damage control, exactement, exactement. En plus, on peut win, hein. Ou égalité, genre en vrai, c'est 40% de win ou égalité. Parce que là, je cherche pas à win, vu que j'ai up. Moi, je cherche juste l'égalité, en soi. Bon, je pense que ça va être compliqué de... Ah, il faut bien taper. Oh, en soi. On prend qu'à droite et c'est bon, hein. Voilà, tranquille. OP, OP. On peut pas tag le mort, on est trop fort. T'as 23, le monsieur. Ok. Je prends au prochain tour. Là, ça va être trop compliqué. J'aime bien l'oseille. Oh. Bon, je garde la tenue et la double paire de l'autre côté. Il me casse la gueule, je hop, roll, je fais rien, et trop d'après je joue. Ouais. Okay. On arrive, Galacron, on arrive. Minute papillon, j'arrive. Là, c'est lui qui va attaquer Galacron, et puis ce sera moi. All Planet. Il restait 3, ce gros dégueulasse là. On va prendre un bon moins 10 là. Non. Ah! Ah si, c'est moins 10 ça. Hein. Ouais. Voir les trades, mais... Ah, oh, c'est 9, ok. Et tcha 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 qui tag le mort comme par hasard, c'est pas moi. Mais c'est parce que Galacron l'a pas tag le tour d'avant. Pourquoi c'est pas lui qui l'a eu? Oh, enfin le Galacron, c'est pas Galacron, le bec au vent là. Il casse toute ma stratégie. On se fait voler. Le plan était si parfait. C'est trop nul ça encore. Mais le problème c'est que mes champs sont trop nazes. Donc bah, je suis obligé de grid. Pas jouer avec le caca là. Alors frérot, je suis à 23, mes shops ça ressemble à être à 21, je suis à 24, ça ressemble à être à 22, t'as 25, ça ressemble à être à 23. Faut que je psyse pour avoir des à 24. Ah, Jésus, Marie, Joseph. Je prends de Cinderay quand même ici, mais ça casse les couilles. Ils sont trop nuls les shops là. C'est Westpec. Bien toi. Reste chill en famille. Hein. Tu streams jusqu'à 2h, jusqu'à minuit. Je commençais à 18h. 6h, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que mes shops sont trop gays. Et sur le timing où je suis censé tag le mort en général, je le tag pas. J'espère que je l'ai au prochain tour, mais...
Je suis hacké là, parce que souvent quand je le chope pas direct quand je prends une claque, en général je le prends pas après le mort, du coup c'est relou. Je suis pas serein là. Si t'es sûr d'avoir le mort au prochain tour, ça irait, mais je suis pas du tout serein là. Oh, mais on est devant. Ouais, on est devant sur ce patrol. Le fait qu'il ait eu Reborn, lui déjà, c'est pas une bonne chose. Oh, bien joué ça. Peut-être pouvoir reprendre avec elle, hein. Oh, peu de chance en vrai, vu qu'il faut que je tape avec tout ça. Ouh, ce trade de merde. J'en ai vu des trades de merde, mais celui-là, il est cata. Ah, je crois qu'on se fait laver là. Bah, on se fait laver. Ah, 3 qui va taper dans celui qui a un poids de vie dramatique. Pour moi. Eh ouais, mais c'est ce que je disais. Vraiment, c'est trop bizarre. Vraiment, quand je prends une claque, soit je tag le mort, soit après je tag jamais. En général, je vais le tag quand je prends une claque. Quand je tombe des 3 derniers. Mais je l'ai pas eu et du coup, j'ai l'impression que je vais jamais l'avoir la game. Mais du coup, là, je suis pas serein. Et le mec, il a rechisse en attendant parce qu'il attaque le mort lui. Ok. Elise, why not? Il en est où de son pouvoir encore? Ah, ok, donc normalement il est pas sur son gros tour là. Normalement il est pas sur un gros tour le monsieur quand même, mais bon. On va piquer ça, on va piquer Elise je pense, on va déjà voir ce qu'on a là-dessus. Après je peux peut-être avoir une bénée de Bran ou quoi, attendez on va faire comme ça. Fuck. Vous pouvez encore renverser la peur. Ah bah il a touché quand même, hein. Il a touché genre là là. Fait chier. Bon, ma game est compliquée, du coup on se fait troll. J'ai perdu le rip-hop du taunt du coup, avec ce hit. Ah, je me dis c'est bon, il a rushé, ça va pas avoir touché. Bah si, il a touché, t'inquiète. Hein. Là, le problème, c'est pas... En fait, on pourrait croire que je grid, mais j'ai juste pas le choix. Mes shops sont à chier. Du coup, je suis obligé de prendre des risques en me disant le prochain tour va être bien, mais chaque prochain tour est nul. Du coup, j'attends que d'avoir un bon tour, mais j'ai jamais de bon tour là. Parce que le shop suivant est encore plus pourri que le précédent. Moi, Kaz, du coup, je suis à 5 points de vie. En même temps, Lucky, hein, genre. Et c'est lui qui va tag le mort, vous allez voir. Ouais, ce que je dis, hein, c'est vraiment quand je me prends une claque, en général, soit je tag le mort, soit je le prends jamais. Il y a vraiment un pattern là-dessus. Hein. Vraiment, pour le coup, il y a vraiment un algorithme là-dessus, no joke. Hein. Je connais le truc, je connais la douille. Je connais très bien cette douille. Il y a que 5. Après, il y a 3-4, donc je vais peut-être tenter ça là-dessus. Ouais. Si je tiens, c'est vraiment big, mais il faut que je tienne en fait. Si je tiens, ça peut être vraiment big. Surtout si je chope les mêmes trucs là. Ouais. Je crois que je suis dead malheureusement. Oh, je l'ai eu. J'aurais dû pièce l'acheter peut-être pour faire proc l'autre, mais je suis quand même hacké là. Parce qu'il était big lui en tempo, je le sais. On est devant quand même, let's go. Ok.
Ok. Faut juste pas se faire troll. J'ai peur la 6-12, parfait, parfait, parfait. Parfait, ok. Je pense que j'aurais dû virer lui et prendre peut-être quand même le... Le Matador. Le truc c'est que je me dis que j'aurais bien voulu taunter le Drake de Grey. Il a eu 2 ripop à 0 d'attaque, le pauvre. Ah, je vais pas le plaindre avec la game de merde que je me suis tapé pour un moment. Je vais clairement pas le plaindre. Mais du coup, Drakkari marche avec elle, elle, elle marche avec eux, et Drakkari marche avec ça, et ça, ça marche aussi avec... Enfin, tout marche ensemble. Pourrait taunter lui, ce serait pas mal, mais on verra. Regardez, vous avez vu, je tac jamais le mort maintenant que je suis à 3 derniers. Et comme je l'ai dit, si je tac pas le mort dès que je passe dans les 3 derniers, en général... Bah, bonne chance pour le tag après. C'est une nague. Je sais pas pourquoi, mais... Je connais ce pattern chelou. Je sais vraiment pas si la petite fille, ça marche avec les autres. Mais de toute façon, si je rentre ça... Je sais pas si ça proc là-dessus, et du coup, sur chaque proc pour eux. Une fois qu'un aimantaire allié gagne des caractéristiques, gagne plus 1, plus 1. Est-ce que quand elle, elle proc sur chaque, ça marche? Je sais pas comment ça marche. Ah, bah de toute façon je vois pas la petite fille là. Deuxième fois en B là, let's go. Faut du taunt du coup. La science, bah là non hein, du coup. Oh là 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 là, bisous, je m'envole. C'est quoi ce poulet? Mais c'est quoi ce poulet? Je dois décaler lui encore, my bad. Mais bon. Oh ce board. Oh non, pas cette douille. Regardez-moi ça, 120 à 120. Le problème c'est qu'il a cette merde dorée contre moi. Il faut que je change de hero power. Et il faut que je meurs pas. On a chaté parce qu'il a pas trade les deux gros. On a bien chaté. Du coup je pense qu'on est devant. Easy noob. La petite fille mieux que le T6. Je sais pas si la petite fille, en donnant full HP, ça fait proc une fois de plus à chaque fois le mettre des réalités. Je sais pas comment ça marche. En gros, c'est ça la question. La petite fille, elle va donner full HP au Drake de Grey, donc ça c'est cool. Mais est-ce que chaque fois qu'elle donne des HP, elle donne plus un au mettre des réalités? Je sais pas. Je crois que je dois hop parce que là il faut que je triple for mon build. Non ça proc pas, ça donne les HP en même temps que l'attaque. Je pense aussi que ça donne les HP en même temps que l'attaque et du coup c'est pas... Dans ce cas là c'est moins bien que for mon build je pense. Je pense aussi que ça donne en même temps et du coup bah ok j'aurais pas mal d'HP. Mais ce serait pas si fort que le for mon build du coup. Ça marche avec la petite fille, je l'ai vu ce matin avec Citro. Ouais mais le problème c'est que je peux pas vous faire confiance en fait. C'est toujours la même chose, quand je demande au chat en vrai c'est à 50-50. Parce que même si tu me dis que tu l'as vu, bah potentiellement t'as mal vu. C'est malheureux mais je sais que ça peut être qu'une flip. Donc j'aimerais bien vous croire mais d'expérience je sais que c'est juste qu'une flip. Le problème c'est que si je joue pas de sort je me renforce pas et lui il a l'air big. Du coup, peut-être que je roll pour tripler le M degré et choper le changement de pouvoir Wick. Ça, j'aurais bien voulu les jouer là, mais. Kent. Pas joué grand-chose là. Ah, let's go.
Ah ouais, je joue mort, je pouvais les reculer, je pense. En fait, si tout le monde me disait la même chose, là, je pourrais faire confiance, mais... À partir du moment où il y a des doutes dans le chat... Et puis même si tout le monde disait la même chose, j'aurais quand même un doute. Je me méfierais quand même. Ah, il faut que je demande à Citro, du coup. Parce que j'ai pas testé. Il est pas cool, Citro? Pas de Citro, pas de cette idée là. Faut changer de pouvoir Wick parce que c'était bien de la merde le pouvoir de Rafam. Hein. On va up quand même pour le fort, je pense. Tu es comme ça, Thomas? Bon, je suis pas comme ça, Thomas, mais d'expérience, je sais que le chat me dit souvent de la merde, malheureusement. Donc, je ne peux pas faire confiance au chat. C'est juste que j'ai eu de mauvaises expériences. Si je le trip maintenant, je vais perdre un taunt. Alors oui, je peux rentrer ça, mais je pense que ce tour, c'est pas rentable de le rentrer. Parce que du coup, ça va moins proc, qui vont prendre moins de stats avec Drakkari double fort, et du coup, ils vont moins booster les deux autres, et je suis pas sûr que ce soit si big. Par contre, au prochain tour, on le triplera. Et on verra. Hein. Mais ouais. Essayez d'avoir un matador doré pour être cool. Il me fait penser au Magmaloc. C'est un peu comme le Magmaloc, oui. Ce qui aurait pu être vraiment big, c'était le triplé avec le shield. Hein. Avec le... l'élémentaire de surprise. Mais bon, je pense que je vais quand même le prendre comme ça. À tout moment, je le triple, une touche de triple pour mon build et je gagne de l'espace. Il gagne 2 d'attaque ou une fois plus d'or doré. J'avoue que c'est relou s'il gagne. Je crois que c'est 2 d'attaque par effet, mais bon. Je pense que je vais quand même le tripler. Ouais, c'est plus d'attaque, c'est quand même chiant, mais bon. Là, chez le coiffeur, on liège toujours pas. Faudrait. Je peux tenter les lames d'abord avant le triple. Tenter les lames? Quelle est lame? Bon trade. Il m'emmerde lui avec sa carte de mort là, sorcier ronce. Ça va, on s'est pas fait scam. Bonne nouvelle. Enfin scam. Bon, on était devant en soi, mais c'est pas fait douiller quoi. Scam, ça grand mot. Qui donne un autre élément en le vendant. Mais comment je fais ça? Je suis boardlock. Je suis boardlock, Nicolas. Je vais pas vendre Drakkari. Je vais pas vendre Formobile. Je suis bloqué. Waouh. 3 morts. Ah, mais attends, mais il y en a deux qui avaient cette merde dorée là. Oh non, c'est trop. Ils ont tous la. Oh, c'est... Quel enfer. Ils ont tous mon counter en fait. Ouh. Le shield. Never lucky. Ça sera mieux avec les rolls là, en soi. Ya ya ya. T'adore, ça rentre en vrai. C'est une sacrée armée que vous formez là. Ah. C'est tour 16 qui reproc lui, quel enfer! Non, c'est trop nul!
Commence à m'ennuyer mes adversaires. Oh, il est énorme. Il est énorme. Ah ah! Ça c'était joli. Pas suffisant mais joli. Oh quel assassin en face. Ça marche que pour un tour 13, je suis pas mal hein. Une game de merde, on a réussi à comeback en gridant. Enfin en gridant. Pas trop le choix vu le setup que j'avais. Tout ça pour taguer Dieu là. Croyez, je le battais certainement, dommage. Pour un tour 13, il est pas mal non plus. Ah oui, non, mais lui, il est. Pour un tour 13, il est monstrueux. En même temps, les trois cartes broken de la compo, il les adorait, quoi. Il a les lames de roll doré, il a le. Rock doré et le djinn doré. Du coup, il a un setup plutôt big.